Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis encore un petit peu malade, je suis sur la fin. Malheureusement, j'ai démarré l'année avec une sacrée grippe, mais aujourd'hui, je suis de retour au garage. Et on va commencer, vous voyez, j'ai encore la toux, par un tour de l'atelier. On va vous expliquer tout au long du vlog les nouveaux formats, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous proposer en nouvelle prestation de service et divers formules sur lesquelles on est toujours en quête de perfection, chercher à s'améliorer, etc. Donc, pour démarrer tout de suite, il fait moins 5 degrés. On va faire le tour de l'accueil. Ici, alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? On n'a pas changé les normes. On est venu juste modifier, pour ceux qui nous suivent, la structure de l'armoire. Parce qu'avant, c'était un petit peu le bordel. Donc, ici, on a mis la bombe de tiroir avec un tiroir, une fonction. Les deux bureaux, comme vous pouvez le voir, là, par contre, aussi, c'est plus beau, c'est plus épuré. On est venu vraiment tirer tout ce qui était superflu. On a mis les tours en bas. Résultat, on a, on a pu jumeler les deux postes de travail. Parce que l'idée, c'était vraiment avoir moins de choses sur les postes de travail qui nous posaient problème. Là, Mohamed va attaquer la 2 FRM. Ça, comme vous savez, on le fait toujours. C'est une maladie qui continue chez BMW. Alors, chez nous, la prestation, elle est à 130 euros. Tout de suite, on va faire le tour de l'atelier. Donc, reprise d'activité. On ne va pas s'attarder trop longtemps sur les détails techniques. Comme vous voyez, il y a un petit peu tout comme véhicule. Là, on commence à faire plus en plus de Mercedes W177. On commence à avoir certaines pannes. Il y en a encore une devant qui est en panne. Ça, vieille Mercedes W204 pour un problème de fuite d'huile. Citroën C4, problème électrique, c'est une toute neuve. Hein. Mais je pense que c'est une histoire de codage programmation, rien de bien méchant. Intervention en cours. Celle-ci, c'est Nathan qui est sur le sujet, en train de remplacer le... C'est le support filtre à huile, là, ouais, c'est ça. T'as la pièce. Ah ouais, si, c'est une maladie connue. Il y a un système de durite qui passe autour. Donc les amis, on est en train de remplacer ça. C'est une maladie connue dessus, qui vient se positionner comme ça. Voilà. Il y a pas mal de taf. Alors souvent sur Mercedes, à partir de, on va dire 2008, on a l'impression que c'est accessible lorsqu'on va venir travailler dessus. Mais c'est relativement merdique à travailler. Il y a des fois, il y a une durite qui va passer devant, derrière. C'est un peu chiant. Au niveau tarif, je peux pas vous dire parce que j'ai pas l'info sur le... Combien on a payé la pièce? Ouais, c'est, beau, c'est lui qui est merdique, faudra faire attention. Je me rappelle une fois que je l'avais fait. Non, non, c'est pas, c'est encore plus long. Hein. Il est tout en bas. Ouais, ouais, mais ouais. J'avais ça là. Il y a une histoire de clips, ça rend tout juste et tout. C'est la merde. Ouais. Ouais. Donc, fuite d'huile importante. Hein. Par contre, ça pissait bien l'huile. Donc, on reprend avec des chantiers comme ça. On va aller tout de suite de l'autre côté chez Benjamin. Je vais remettre le chauffage en route. Sacrée turbine. Donc Porsche Macan, comme vous avez pu voir dans la vidéo, on va venir vous, vous présenter des alarmes nouvelle génération. Ça fera l'objet d'une grande vidéo. Encore une Mercedes en panne, là, début d'année, beaucoup de Mercedes, beaucoup de BM. Comme vous le savez, on fait énormément d'allemandes. Donc ici, intervention, on est en train de remplacer la chaîne. Ouais, lui, il a eu de la chance, le moteur n'a pas cassé. Par contre, la voiture est en très mauvais état. Malheureusement, c'est une voiture qui n'a pas été super entretenue. On est en train de vous monter la vidéo. D'ailleurs, je vais jeter un œil à la caméra. Ça va, ça tourne. On est en train de vous préparer une vidéo complète sur le remplacement de chaîne BMW. Ça ne sera pas un tuto, on ne va pas vous apprendre comment le faire parce qu'il faut un savoir-faire quand même. Donc celle-ci, je ne sais pas c'est quelle opération. On est en train de... Électrovente de pompe à huile bouchée, on a déposé le carter.
Ah ouais, pareil. Donc, voiture mal entretenue, malheureusement. Quand on vous dit, les amis, il faut faire attention à l'huile, c'est hyper important. Je vais vous montrer un seau d'huile. Je vous assure qu'on n'a pas triché. Donc, on a fait un Tiguan la semaine dernière, on a remplacé un turbo. L'huile ne sortait pas du carter. Je vous dis, on a sorti l'huile pour la montrer au client. Vous allez voir. Je sais pas si tu vas arriver à fumer. C'est de la pâte. Regardez le fond de cuve. Regardez. Catastrophique. Et là, les amis, dites-vous, c'est un mélange d'huile. Parce que comme on n'arrivait pas à sortir son huile, on a dû rajouter tout ce qu'on a pu sortir. Avec un petit mélange pour fluidifier l'huile, ça ne sortait pas. Donc, ne vous étonnez pas si vous n'entretenez pas vos voitures. Faites hyper attention. L'huile, c'est hyper important. On se retrouve pour la suite du vlog, les amis. On est toujours en effectif réduit. On n'a pas la totalité de l'équipe. Donc, je suis un petit peu au moulin, au fourneau. Les fichiers, ça va, ça tombe bien. On va faire le tour de l'atelier. Je vais vous montrer un boîtier sur lequel je suis en train de travailler. C'est un confrère qui l'a planté. Comme vous le savez, nous, on n'est pas à se la raconter, etc. Donc, c'est un Mercedes en diesel. Et j'ai déjà tiré la plupart des vis. Mais ici, comme vous voyez, je vous donne une petite astuce. On voit une petite forme. On dirait un gros suppositoire. Mais en fait, c'est un condensateur électronique. Et derrière ce condensateur, il y a une très grosse colle. Donc, l'idée, je le mets sur le radiateur. Je vais vous montrer, il s'est déjà décollé un petit peu. On vient sans trop forcer pour faire travailler la carte mère. Parce que si vous forcez un petit peu trop, vous allez tout arracher. Puis après, le boîtier est poubelle. C'est pas rattrapable. Comme vous voyez, là, il y a un peu de mou. Donc, plutôt que d'y aller brut au chalumeau, je laisse chauffer gentiment sur le boîtier. Ça va permettre également de ramollir tout doucement le joint du connecteur. Donc là, je laisse encore dans le boîtier. On va faire tout de suite le tour de l'atelier. Ce matin, beaucoup de travail, on va pas se plaindre. Hier, on avait une belle DS3 que je connaissais pas. C'était une DS3 60e anniversaire. Une finition que je connaissais pas, très très belle. Là, on a une Citroën C4 tête de mort. Non, je déconne, c'est un sticker, je connais pas la finition. Sinon, de l'autre côté, comme d'hab, là, en ce moment, on fait beaucoup de voitures françaises. Clio 4, Clio 5, Clio 5, malheureusement, toujours pas programmé à mon essence éthanol. C'est normalement celle qui est rentrée ici, c'est pour problème d'airbag. Petite pépite qui est arrivée ce matin. RS4, V8, les premières. Elle est en excellent état. Bon, ça va être du 74, hein, donc forcément, frontières suisses, elles sont très saines. Problème, non, elle est fermée. Problème d'air secondaire, on va venir travailler dessus. Si c'est utile, on vous fera une petite vidéo ou un petit compte rendu sur ce qu'on va faire dessus. Personnellement, en berline, j'aime fortement. Le break dessus, je suis pas fan. Hein, il fait un peu break de grand-père. Là, la version berline, plutôt rare. Très joli, très joli. Donc dessus, problème d'air secondaire, rien de bien méchant. On fera l'intervention. On va pas se rendre compte, les amis, à la vidéo, mais il fait très très froid. Donc on essaie de rentrer sortir au maximum les voitures. Ce matin aussi, quelques Mercedes, on a résolu les soucis. Ici, un peu de mécanique. Hein. Vous voyez, on est des bonhommes, on travaille à l'air frais. Ici, c'est Nathan qui est venu remplacer les joints d'injecteur. Et sur ces merdiques là Ford, c'est le même moteur que PSA, ce sont les 1,4 litre HDI. Et contrairement aux 1,6 litre, les injecteurs ne sont pas hyper accessibles. Donc je ne sais pas s'il y a les joints ici. Certes, les joints ne coûtent vraiment pas très cher, mais c'est un petit chantier quand même pour accéder aux joints d'injecteur. Et c'est très gras, généralement les corps, les gens ils attendent 20 ans pour faire leurs joints. Et après ça devient un peu compliqué. Là ça va, ça s'est plutôt bien passé. Mais voilà, quand même un peu de travail. Celui-là, on se le fait en extérieur. Ça fait un peu du bien. De l'autre côté, le X1 y est terminé. On a remplacé la chaîne. La vidéo devrait sortir bientôt avec quelques petites explications. Et puis là, sur cette chaîne-là, on a trouvé des trucs qu'ils n'ont rien à foutre dedans. Franchement, alors ça, c'est le kit chaîne. Il faudrait que je demande à Benjamin. On a trouvé des éléments. La chaîne a été faite ailleurs il y a 30 000 km. On a trouvé des éléments qu'ils n'ont rien à faire là. Je ne sais pas le mécanicien s'il y a eu un oubli, hein, ça peut arriver.
Et le client, il a eu de la chance. Hein. On a trouvé quelques petits éléments, je ne sais pas où ils sont, qui n'avaient rien à voir. Bon, pour ceux qui s'intéressent, voilà. Donc il y a deux chaînes. On va remplacer les deux chaînes. Donc il y a pas. Voilà, c'est. Ça se détend en mort. Hein. On va remplacer les deux chaînes, les tendeurs, les glissières, etc. Vous avez également les glissières qui peuvent casser dedans. L'autre côté, je ne sais pas si je vous en avais parlé, la 325 qui s'est bien avancée, on a remonté la culasse. Il nous manque les durites. On a également remplacé une. Je ne sais plus comment ça s'appelle, un truc d'eau là. Heureusement BMW la 29. Donc vous voyez, moteur remonté, ça donne ça. Donc on a remis le collecteur échappement. On a tout nettoyé, on a remonté la culasse. On attend les durites. Parce que toutes les durites étaient éclatées au sol. Elles avaient pourri avec le temps. Donc ça, le chantier il avance bien. Je suis pressé de la remettre en route pour pouvoir voir un petit peu comment que ça tourne et surtout pour voir si le joint de culasse a bien été fait. Les amis, dernier jour du vlog. Malheureusement, beaucoup de neige. Donc aujourd'hui, Nora n'est pas là pour filmer. On va filmer un selfie. Non, on va terminer le véhicule avec injecteur. Il n'y en a pas un changé, les amis, mais il y en a quatre. Comme vous le savez, sur les 1 litre 6 TDI, il y a un test à faire. Et là, le pauvre. Remplacer 4 injecteurs. Bon, vous faites vite fait le calcul, hein, 350€ l'injecteur. Ça douille. Là ici, je vais aller restituer 2 calculateurs. On a changé la fiche, vous voyez derrière. 200 de chrono, ça c'est un très beau film d'époque pour ceux qui ont connu. Premier film au sujet des vols de voitures. Je vous ai regardé, sympa. Les mecs, ils étaient spécialisés dans le vol de voitures Porsche. Et ici, un atelier, pas mal de véhicules. Là, on a une petite panne un peu bizarre. Audi A3 qui ne démarre pas. Alors, on a commencé à bosser dessus. Pas mal de. C'est celui-là, hein, ce modèle-là. Bon, je tourne à l'iPhone, hein, ça casse les pieds. On est déjà au 15. Bon, moi, c'est pas un 15, c'est un 13 Pro Max. Et on peut toujours pas changer d'objectif. Vraiment con. Un peu. Et aussi, là, un peu plus dans la vidéo, je vais vous parler d'un petit truc qu'on a eu aussi et qui est bon à savoir. Ça peut vous arriver également. Et je vais vous montrer le devis qu'on a fait. Donc là, je vais aller restituer les 2 calculateurs. Ça, c'est un travail qu'on a fait pour un concessionnaire. Parce que le véhicule était un petit peu vieux et ils n'arrivaient pas à coder le calculateur. Donc heureusement pour eux, on a pu le cloner et l'adapter. Donc je vous retrouve tout de suite. Là, je me retrouve. Deuxième partie de l'atelier, aujourd'hui c'est pas Bench qui est là, malheureusement il est malade aussi. Je suis avec Abou Nathan, Selem. Donc là il est en train de faire une distribution. Attendez, je vais aller couper la musique. Stipples pour les anciens ça. Très bon son ça. Je vais vous le mettre en fond pour les fans de reggae. Donc distribution, Audi TT, 1 litre 8 T. Alors, elle est venue chez nous pour ben, tout simplement une distrie. On peut voir qu'elle a été repeint. On voit tout l'intérieur en jaune. Beau jaune pipi, ouais. Donc, distribution TT 225 chevaux. Et aussi, petite vidange, c'est bientôt terminé. Et bonne nouvelle, on a reçu enfin des durites pour la 325i. Ici, là. Parce que je viens de manger. Donc, remontage du moteur, bientôt en cours et tout. Donc ça va, ça avance, ça se termine. Un véhicule qui a été en station-service belge là pour l'occasion. Et sorti de station, il y a eu un problème. La voiture s'éteint, s'est coupée. Et nous, comme vous le savez, on est proximité à la Belgique, mais vraiment collé. Et donc du coup, il tombe en panne juste ici sur la voie rapide. Ils ont ramené le véhicule. Et après extraction de gasoil, c'est dommage, je n'en ai pas gardé. Le gasoil était dégueulasse, mélangé à l'eau, à la merde, à fond de cuve. Bref, voiture endommagée. Donc comment ça se passe quand c'est comme ça? Surtout, allez tout de suite appeler la pompe à essence.
La pompe à essence a notifié un expert. L'expert est venu, on a fait un prélèvement de gasoil. De toute façon, ça ne parle pas. Hein. Gasoil était en très très mauvais état de la pompe. Audi A3 8Y, donc nouveau modèle 2015-2016. Devis, remplacement tout du système gasoil. Donc on avait proposé un devis à 9 000 euros. Parce qu'on se casse pas la tête, on change tout. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti le gasoil pourri pour au moins la remettre en route. Mais là, la voiture coupée en fait. Et du coup, ben là, la voiture va se retrouver sur un Formex, vente dans l'état. Et l'assurance de la pompe à essence va payer le complément au client. Donc si ça vous arrive, n'oubliez pas, vous avez des recours. Donc les amis, voilà à quoi ressemble un devis à 9 000 balles. Donc là, on a fait la totale. Bon, nous, malheureusement, le chantier a été refusé. Je suis deg, hein, parce que ça aurait fait un beau billet pour l'entreprise. Et donc du coup, voilà, un peu dégoûté. On a perdu un petit peu de temps, mais voilà, maintenant on sait, on connaît la procédure en cas de problème. Donc voilà, si vous... la voiture va se trouver chez Informex pour être vendue dans l'état. Donc pour terminer, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Continuez à nous donner de la force pour la chaîne. On va essayer de vous proposer toujours plus de contenu varié. On va essayer de ne pas se répéter, pouvoir proposer diverses choses. On va essayer de travailler sur des nouveaux formats. Je vous en laisse la surprise quand ça va arriver. On va essayer de tourner ça au fur et à mesure. On a une idée de format et puis voilà, on verra si ça match ou pas. C'est pas de la hyper nouveauté, ça c'est déjà fait chez des concurrents, mais pas chez des garagistes ou des essayeurs. Vous allez voir. Ça risque d'être pas mal, toujours au sujet de l'automobile, parce que la passion avant tout. Donc je vous dis à la prochaine.